qui donnez-vous le pouvoir pour vous sentir légitime d'être aimé? C'est une question qui est très très essentielle et qui, à mon avis, va vous permettre de faire des réajustements si vous avez envie d'être aimé, de vivre le grand amour avec le grand A et de recevoir en abondance. Je vous souhaite le et la bienvenue dans ce live de réflexion et de transformation que je suis très très heureuse de vous partager aujourd'hui. Bienvenue Karine dans ce live, j'espère qu'on m'entend bien. Le thème que je vais vous partager aujourd'hui, c'est à qui donne-t-on le pouvoir pour nous sentir légitimes d'être aimés? Hello Elodie, dis-moi si on m'entend bien, que je fasse ce live. Hello. À qui donne-t-on le pouvoir pour nous sentir légitimes d'être aimés? Moi, ce que j'aime, en fait, dans les périodes de lancement, je suis en plein lancement dans le programme Manifestez vos désirs, c'est que du coup, ça m'inspire vraiment à vous partager des sujets et des thèmes qui vont vous aider déjà à bouger et déjà de votre côté, mais aussi des thèmes de réflexion déjà. On peut déjà se poser la réflexion, surtout quand on a envie de rencontrer quelqu'un. Est-ce que la relation que je vis me correspond ou pas? Ce thème-là et ce live va vous aider. D'accord. Est-ce que vous pouvez observer, mes amis, que c'est seulement quand vous êtes aimé de quelqu'un, que vous allez rencontrer quelqu'un qui vous aime, qui vous démontre vraiment tout son amour, qui vous met au cœur de sa vie, à ce moment-là, vous vous dites « Ah, là, je suis choisie, là, je suis considérée. Quand je vois et j'observe cet amour, je reçois cet amour chez cet homme auprès de moi, là, il y a l'estime de soi qui regonfle d'un coup. » Et puis, vous vous dites « Ah, vous ressentez tout l'amour de cet homme et vous vous dites « Ah, moi, je suis vraiment digne d'être aimée. » Est-ce que vous pouvez observer, prenez un temps et observez ça chez vous. Ce qui veut dire que si vous n'avez personne, si vous avez personne, si vous rencontrez pas la bonne personne, si pour l'instant il n'y a personne, votre estime de vous est beaucoup plus basse. C'est-à-dire que vous avez le sentiment, ou parfois vous avez des pensées où vous vous dites « Ben ouais, je me sens pas vraiment digne d'être aimée, je me sens pas aimée, je me sens pas plaire. » On se pose plein de questions dans lesquelles l'estime de soi quand même prend un coup. Est-ce que vous pouvez observer ça? La question qui est la plus intéressante, c'est se dire à qui je donne le pouvoir, à qui donnez-vous le pouvoir pour vous sentir digne de recevoir le grand amour? Qui détermine que vous êtes digne de recevoir le grand amour? Est-ce que vous pouvez vous poser cette question-là? Est-ce que vous pouvez observer que vous avez donné le pouvoir à un élément à l'extérieur de vous? Ça veut dire que quand cette personne vous quitte ou que cette personne ne fait pas le choix de vous choisir ou de vous aimer, il y a quelque chose en vous qui est touché. Vous vous dites « Mince, j'ai pas l'impression que je suis digne d'être aimée vraiment. Je me sens pas choisie. Je me sens pas être la bonne personne. Je me sens pas être l'élu en fait. L'élu dans le sens où oui, je suis choisie, je suis vue et je suis aimée. » Est-ce que vous pouvez observer ça? La question vraiment, c'est de se poser la question, c'est « Ok, à cet instant-là, qui détermine que je suis digne d'être aimée ?» Et si vous pouvez observer qu'en réalité, vous avez donné le pouvoir à une personne extérieure, à un élément extérieur, à cette personne par exemple précisément. Ce qui veut dire que si cette personne vous quitte, pour vous, c'est fini quoi. Vous désintégrez complètement. Mais se pose vraiment cette question, à qui je donne le pouvoir de me sentir d'être digne, d'être aimée vraiment? Et donc, voyez bien que à l'instant où vous donnez ce pouvoir à un élément extérieur, c'est-à-dire à l'autre, est-ce que vous pouvez ressentir en parallèle du coup qu'il y a quand même un vide intérieurement là en vous qui fait que vous avez la nécessité d'avoir la preuve à l'extérieur de vous, d'avoir véritablement quelqu'un qui vous aime pour vous, hop là, je me remonte dans mon estime pour se sentir que, ah, moi, je suis vraiment digne d'être aimée. Et sans ça, en fait, eh ben non, c'est pas le cas. Donc, est-ce que vous pouvez juste observer ce vide à l'intérieur de vous qui fait que vous allez chercher ça à l'extérieur de vous, qui fait que c'est uniquement quand cette personne existe, cet homme existe, que vous avez l'impression de briller
que vous avez l'impression d'être cette femme extraordinaire, que vous avez l'impression d'être ouais, cette femme extraordinaire, quoi. Est-ce que vous pouvez déjà observer ça? Parce que ça, c'est vraiment très, très important. C'est-à-dire que à l'instant où j'observe que j'ai donné le pouvoir à l'autre, c'est normal du coup que la dépendance affective soit là, c'est normal que les séparations soient difficiles, c'est normal que vous avez cette peur de ne pas rencontrer l'homme de votre vie, la personne qui vous correspond vraiment, mais la personne, on va dire, à un certain niveau qui vous correspond vraiment. Pourquoi? Parce qu'il y a un ressenti de vide à l'intérieur de vous qui fait que clairement, vous avez donné le pouvoir à l'autre. Or, tout commence par un sentiment à l'intérieur de soi. Tout commence par, vous ne pouvez pas, pour rencontrer cette personne qui vous aime vraiment, dans lequel vous avez une relation équilibrée et en harmonie, bien sûr, il est important que ce sentiment d'estime de soi, ce sentiment de considération de soi, ce sentiment d'être digne, d'être aimé, soit complètement intégré à l'intérieur de vous pour que, en conséquence, naturellement, cela puisse se vivre. Vous allez attirer quelqu'un qui vous renvoie et qui vous donne en abondance, qui vous donne cet amour en abondance. Parce que la mécanique, elle est comme ça. C'est uniquement quand vous allez vibrer de cet amour à l'intérieur de vous que vous allez pouvoir le vivre à l'extérieur de vous. Si vous voulez une relation équilibrée, je ne parle pas de la dépendance, bien sûr, ou comme le cas de figure de tout à l'heure, où vous avez un creux et vous avez quelqu'un pour qui vous vivez cet état de dépendance. Donc, la question, on comprend bien que c'est important déjà de se sentir soi, de reprendre le pouvoir et de se dire, attends, c'est pas toi qui détermine si je suis quelqu'un qui est digne d'être aimé, c'est pas toi. Ce n'est pas toi. Je le sais parce que c'est ce que je suis, c'est ce que je ressens de moi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on reprend le pouvoir, on se dit, non, mais attends, moi, je suis digne d'être aimée. Je le sais. Sauf que, on va aller un petit peu plus loin que ça. Parce que ça, c'est quelque chose que vous savez déjà peut-être. Et donc, vous avez déjà fait un travail sur vous en disant, ah, je vais aller voir dans mes blessures passées, qu'est-ce qui s'est passé dans mon passé qui fait que, ah, j'ai la blessure de rejet, ah, j'ai tout ça. C'est OK, en fait. Mais la question, c'est où est-ce que ça en est aujourd'hui? C'est-à-dire que, et j'ai parlé de ça dans le live que j'ai fait avant et je vous invite vraiment à le voir quant à comment est-ce qu'on sort un peu de ce cheminement de guérison qui finalement, on n'a pas conscience parfois que ça nous maintient un petit peu dans notre caca du passé, hein, excusez-moi. Mais en fait, si on veut une réelle transformation, cette question, elle se pose vraiment. Parce que si vous dites, ok, je vais faire des pensées positives, je suis digne d'être aimée, à partir d'aujourd'hui, je suis choisie, je suis quelqu'un d'extraordinaire, je suis une femme extraordinaire, je suis considérée. Vous pouvez faire ça en pensée positive, mais si vous faites ça en pensée positive, en réaction avec vos blessures passées, ça ne peut pas fonctionner. Parce que l'énergie racine du processus que vous êtes en train de faire là, l'énergie racine, c'est toujours cet enfant blessé. Je suis blessé, donc je vais considérer, je suis rejeté, donc je vais considérer que je suis digne d'être aimé. Vous jouez juste l'autre face de la même pièce, mais il s'agit toujours de la même pièce. C'est en cela que du coup, quand vous allez rencontrer quelqu'un, qu'est-ce qui se passe? Vous avez besoin de donner la preuve que vous êtes la bombe, quoi. Vous allez dire, ok, c'est moi, je suis la meilleure option, c'est moi. Mais vous auriez besoin d'investir beaucoup pour donner des preuves qu'il a toutes les raisons de vous choisir. C'est pas quelque chose, c'est pas un état qui va se faire et qui va se vivre naturellement. Vous voyez? Vous allez vous sentir investi de vous adapter beaucoup à la personne, investi à arranger votre agenda, à montrer que vous savez tout faire, vous êtes une super bonne cuisinière, vous savez danser, voilà. D'accord? Vous faites un étalage d'un CV pour être garanti que la personne voit. Mais on n'est pas dans une mécanique naturelle, vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes dans une mécanique où vous avez besoin de prouver qui vous êtes. Mais donc, du coup, la question qui se pose, c'est si je reprends le pouvoir de « je suis digne d'être aimé », la question qui est intéressante, c'est comment j'intègre ça pour que
comment j'intègre ça pour que ça soit une intégration où naturellement je reçois en abondance sans que j'ai besoin de, on peut dire même de se prostituer hein, parfois, ou de mendier l'amour, ou de donner des preuves. Mais comment je peux faire pour recevoir, être juste cette femme que je suis et naturellement recevoir une abondance d'amour de la part d'un homme extraordinaire, rencontrer un homme extraordinaire, comment faire pour que ça soit le cas? En fait, il est question déjà de prendre conscience de cette mécanique que vous mettez en place, que vous donnez le pouvoir à l'autre pour vous sentir aimé. Si vous êtes dans cette configuration-là, effectivement, il est important de reprendre le pouvoir, de se dire « Attends, là, il y a un problème dans ma mécanique et en fait, je donne le pouvoir à l'autre pour me sentir digne d'être aimé. » Ça, c'est la première chose que vous pouvez faire. La deuxième, c'est une fois que vous avez observé ça, la question c'est « Ok, je reprends le pouvoir. Je me sens aimée parce que intrinsèquement, je suis digne de vivre cet amour. Mais pour intégrer je suis digne d'être aimée, de vivre le grand amour, de la deuxième vigilance que je vous amène, c'est attention de ne pas construire ceci sur une base de vos blessures, de votre enfance, d'une introspection de votre enfance, sur une base de « parce que j'ai été blessée ». Vous comprenez? Donc, si vous avez envie d'avoir un peu plus de précision sur ça, allez-y voir mon live que j'ai fait la dernière fois je ne me rappelle même plus le titre pour dire à quel point j'étais inspirée. C'est sur le cheminement qu'on prend pour que c'est pas nécessaire d'avoir un cheminement de guérison pour changer les choses. Donc, attention à ça parce que justement, il y a une question d'énergie racine dans laquelle on se maintient finalement, on se construit dans la réaction et dans la lutte. On se construit pas parce que voilà, bon bref. Donc, ce qui est important, c'est que vous puissiez vous reconnecter à une fréquence beaucoup plus haute, à une version de vous qui est beaucoup plus haute, qui est différente de toutes vos blessures. Ça n'a rien à voir avec tout ça. Ouais, mais dis, alors, c'est quoi l'histoire d'Armel ? L'histoire d'Armel, c'est de vous reconnecter tout simplement au « je suis, qui suis-je ? Qui suis-je ? Je suis amour suprême. » En fait, vous allez vous reconnecter à votre nature profonde, de quoi vous êtes constitué à la base. Vous portez l'amour en vous. C'est votre nature profonde. C'est comme ça, c'est l'énergie, la vibration dont vous êtes constitué de manière originelle. Et le fait est de pouvoir se connecter à ça, et de pouvoir se dire, attends là, je reprends pouvoir, on est d'accord, mais surtout, je me rappelle d'une chose. Bienvenue à tous, bienvenue Valérie, bienvenue Nourine. Et c'est de pouvoir se dire, ok en fait, je suis amour suprême. C'est ça ma nature. Et prendre un temps pour ressentir ça. Et c'est en ce sens que l'amour suprême vit à l'intérieur de moi et à l'extérieur de moi. Ça veut dire que je suis faite pour vivre dans le grand amour. Ah d'accord. Ah ok, je ressens ça. Mais je suis faite, enfin, vu que je le vibre à l'intérieur de moi, je suis faite pour vivre dans le grand amour et pas autre chose. C'est ça qui est le plus naturel pour moi. C'est ça qui est mon environnement naturel pour moi. D'accord ? Donc, c'est dans cette fréquence-là, dans cette reconnexion à qui vous êtes vraiment, à ce « je suis » qui va vous permettre de reconstruire, de reprendre pouvoir de manière naturelle, de dire « il n'y a pas d'autre alternative que le fait que vous soyez aimé. » Parce que vous êtes amour suprême. Cet amour, elle vibre à l'intérieur de vous. Donc, peut-être que les mots que je vous dis là, c'est des mots que vous avez déjà entendus. Peut-être que ça paraît perché. Mais peut-être que vous vous dites « oui, mais je l'ai déjà entendu, mais je ne l'ai pas ressenti à l'intérieur de moi. » Ben oui, c'est la raison pour laquelle ça nécessite certainement un cheminement pour intégrer ça. Parce que pour moi, ça, c'est la clé. Ça, c'est une information qui est en dehors de tout cet amas énergétique de votre passé, en fait, mais qui est complètement votre essence profonde. Et là, il y a une vraie reconstitution, il y a une vraie, cette reconnexion-là, c'est ça qui va vous permettre de vivre l'amour à ce haut niveau d'amour tel que vous le souhaitez.
Ça veut dire que vous avez besoin, si vous voulez vivre le grand amour à l'extérieur de vous et rencontrer cet homme qui vous aime vraiment, vivre cette relation extraordinaire, vous avez besoin d'incarner cet extraordinaire à l'intérieur de vous, dans un je suis qui soit à la hauteur de cette fréquence. Donc, du coup, ça vous demande vraiment de... Vous ne pouvez pas être accroché à la fréquence de vos blessures, de dire oui, bah parce que je suis rejeté, je vais connecter autre chose à partir de ça. Vous resterez dans la même fréquence en fait. Mais c'est vraiment cette reconnexion à le je suis en majuscule, je suis, vous êtes amour suprême. Ok, et donc c'est naturel que vous ayez, c'est totalement naturel, vous êtes fait pour vivre le grand amour. Et juste pouvoir ressentir et déposer ça, c'est la façon de reprendre pouvoir. D'accord ? Donc, c'est exactement ce que vous allez faire si vous participez au programme Manifester vos désirs. Parce que manifester vos désirs, c'est une véritable reconstitution du « je suis ». Parce que tout part du « je suis ». Le « je suis » en majuscule est le point de départ de toute chose. Qui suis-je ? Quelle est ma structure identitaire? Parce que selon la manière dont je me construis dans mon identité, de comment je me définis dans mon je suis et comment je me ressens être, c'est de cette manière-là que je vais vivre, que toute ma réalité extérieure va se construire en fait. Toutes les circonstances de ma vie sont... se manifeste et se crée en fonction de comment je me ressens être. Le « je suis » est très important. Imaginez-vous, par exemple, vous êtes dans un film, d'accord ? Dans un film, il y a un rôle principal, il y a un personnage qui joue le rôle principal. Ce personnage-là, selon le rôle qu'il va avoir, eh ben, tout le scénario va tourner autour de ce personnage qui joue le rôle principal. D'accord ? Si ce personnage il joue le rôle principal de « je suis un être blessé et je vis dans la pauvreté », tout le film, tout le scénario du film va tourner autour du fait que ce rôle principal va pouvoir jouer son rôle de « je suis blessé et je suis dans l'insécurité ». Vous comprenez ? Puisque c'est comme ça que ce rôle est défini. C'est la même chose pour vous en fait. Le « je suis » est le point de départ. Et c'est exactement ce que vous allez vivre dans le programme Manifester vos désirs. Le je suis sera le point de départ. Mais l'ancrage de ce je suis, quand on a été tellement écorché par notre passé, a besoin d'être reprogrammé dans votre subconscient afin qu'il puisse s'installer naturellement pour que naturellement toute votre réalité de vie puisse se construire autour de ce je suis. Donc il y a une différenciation entre dire je suis amour suprême. Vous vous rendez compte? Ça veut dire que toute votre vie dans vos relationnels, que ce soit dans l'amitié professionnelle, dès lors que vous allez être en relation, vous allez vivre cet amour-là à un haut niveau d'amour. Puisque si ça, c'est ça que vous désirez. Mais ça paraît tellement éloigné parce que de là où vous êtes, où vous vous sentez blessé, vous dites mais c'est très éloigné de moi, il va me falloir un long chemin pour y arriver. Non, je vous dis tout de suite que non. Non, 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 c'est juste une technique à mettre en place parce qu'il s'agit tout juste d'une reprogrammation au niveau de votre subconscient parce que votre « je suis » n'est pas encore programmé dans l'association vibratoire de cet amour suprême. C'est uniquement pour ça que vous ne le vivez pas autour de vous et que vous avez l'impression, peut-être aujourd'hui, d'être dans des relations où vous donnez beaucoup au lieu de recevoir en abondance. Et que même si intellectuellement vous avez compris, vous êtes en incapacité de déclencher ça. Vous êtes en incapacité de renverser. Tout simplement, peut-être que vous avez besoin d'aide pour effectuer cette reprogrammation de votre matrice, ou bien de votre vibration intérieure, ou bien de votre subconscient. C'est la même chose. Pour vous permettre justement d'incarner naturellement l'amour en vous, de façon à ce que naturellement, ça puisse se vivre. Et croyez-moi, il y a une très grande différence. Parce que je comprends bien, moi aussi, j'ai grandi avec cette blessure de rejet qui a été quand même assez forte. Parce que malgré tout ce que je mettais en place, moi,
j'aime, quand j'aime les gens, je les aime vraiment. Je suis quelqu'un qui donne beaucoup. Je suis généreuse dans une relation. Et même trop, parce que j'étais dans une mécanique d'une personne blessée. Mais quoi que je fasse, mon relationnel, j'avais beaucoup de déceptions amicales, des séparations qui étaient assez déchirantes. Donc, non, en fait. Et je me suis fait croire que c'était mieux que je sois seule, alors que pas du tout. Je suis quelqu'un qui est faite pour être dans le lien d'amour. C'est peut-être le cas pour vous. Si vous êtes en souffrance de vous sentir seule, peut-être que ce n'est pas la solution d'être seule, mes amis. La solution, c'est de s'ouvrir. Mais peut-être que vous ne savez pas parce que vous avez peur d'être déçue encore et encore. Et je comprends. Mais peut-être que il est temps aussi pour vous de vous reconnecter à quelque chose qui vous fait du bien et de se dire, et si je fais circuler le grand amour à l'intérieur de moi parce que c'est ça qui me va, c'est ça qui me fait du bien. Et je suis faite pour vivre dans le grand amour. Je suis faite pour vivre des relations, que ce soit d'amitié ou une relation amoureuse dans laquelle je peux exprimer ma générosité d'amour parce que c'est comme ça que j'aime être. Je peux exprimer mon sentiment amoureux parce que c'est ça que j'aime ressentir et qu'en retour, cet amour-là puisse se vivre vraiment. Eh bien oui, c'est possible. Ce n'est pas que dans les contes de fées. Dans les contes de fées, en fait. Et c'est ça qui est extraordinaire. C'est juste que c'est à votre portée de main. C'est là. Il s'agit juste de dire, ok, faut se donner les bons moyens et trouver les bons outils, les bons processus qui vous permettent de créer, j'appelle ça un nouveau paradigme, c'est-à-dire une nouvelle réalité de vie où ce grand amour peut se vivre partout et tous les jours et tout le temps. Voilà. Et donc, le programme Manifestez votre désir, je vous accompagne pendant 3 mois pour faire cette reconstitution, cette nouvelle reprogrammation qui va se faire et dans lequel petit à petit vous allez voir que immédiatement vous allez quitter, vous allez sortir de votre passé, de vos blessures. Vous n'aurez même plus besoin de vous préoccuper à régler ça en fait. C'est pas ça qui compte. On va arrêter de dépenser et de perdre notre temps à s'occuper d'une ligne du temps qui est notre passé. Et aujourd'hui, vous avez votre vie à vivre. Vous voyez, peut-être que ça fait des années que vous essayez encore et encore de vivre, là je parle de l'amour, mais ça peut être aussi dans la sécurité financière, mais dans l'amour, vivre ce grand amour tel que vous désirez. C'est possible, c'est accessible, il suffit juste en fait de trouver les moyens nécessaires qui vous y emmènent. Et en fait, ce qui est extraordinaire, c'est que là vous avez un programme qui vous le permet. Ça veut dire qu'à partir, dès l'instant où vous allez faire le programme, le grand amour n'est pas un rêve, n'est plus une projection, n'est plus quelque chose que vous allez méditer, que vous allez espérer, que vous allez écrire. Non, c'est quelque chose que vous allez mettre en place. Vous allez le mettre en place, vous allez le construire dans votre subconscient, dans la reprogrammation du subconscient, afin que vous puissiez le vivre de manière concrète. Et pourquoi c'est possible? Parce que c'est la loi de la nature. Tout ce que vous imprimez, tout ce que vous reprogrammez dans votre subconscient, dans votre vibration intérieure, naturellement, automatiquement, c'est ce que vous allez vivre. Puisque c'est comme ça. Le soleil se lève, le soleil se couche. Tout ce qu'on imprime dans notre vibration intérieure se matérialise de manière différée dans les circonstances de vie. Et c'est la raison pour laquelle vous allez attirer aussi des personnes qui vont vous permettre de jouer ce rôle. Mais croyez-moi, c'est une vie complètement différente que de pouvoir décider de dire « je suis amour suprême » et de se dire que toute votre vie va s'articuler autour de ça. Et je vous parle en connaissance de cause. Et ça change tout. Et ça fait vraiment du bien. Ça fait du bien de recevoir de l'amour, surtout quand on aime donner. Et ça fait du bien de « ah, vous aussi, vous allez être au cœur » de l'amour au cœur, dans le cœur des gens autour de vous. Et ça, ça fait du bien. Vous voyez? Ça fait du bien. Vous allez rencontrer des personnes de qualité, des personnes qui ont ce haut niveau d'amour comme vous. Et ça va se faire naturellement. Vous n'auriez pas besoin de donner ou autre pour prouver. Les choses vont se faire naturellement. Tel que vous êtes, vous serez vu, vous serez aimé, vous serez, comment dire, estimé, considéré naturellement. Et ça fait du bien. Donc voilà, j'espère que ce live déjà vous a amené que vous puissiez reprendre pouvoir. Si vous avez envie d'aller, vous avez déjà ces quelques clés que je vous ai données d'intégrer vraiment ça à l'intérieur de vous.
Et d'intégrer le fait que, ok, je suis amour, je suis faite, ok, je suis faite pour être aimée, d'accord. Et redites-le tous les jours, ressentez surtout, ressentez ça et voyez la vie à partir de cet espace-là. Commencez à vivre votre journée à partir de cet espace où, ah, je suis aimée de toutes les façons. Et vous allez voir que tout va s'ouvrir. Et si vous voulez être accompagné pour imprimer vraiment ça en vous, moi, je serais vraiment ravie de vous accompagner durant le programme Manifestez vos désirs. On commence le 25 février. Vous avez les informations sur mon lien Linktree dans ma bio ou sur mon site internet www.armel-timine.com. Voilà. Vous serez un petit groupe de 6 personnes, c'est bien. Vous serez accompagné individuellement parce que pour moi, que vous ayez des résultats et des résultats pérennes dans le temps, ça c'est important. Processer, oui, mais que les transformations soient pérennes dans le temps, ça c'est mieux. Processer, oui, mais que vous ayez une clarté de votre propre mécanisme et que vous puissiez comprendre comment faire pour transformer vous-même et devenir autonome, ça c'est important aussi. C'est la raison pour laquelle ce programme est un programme haut de gamme, qui est à la fois haut de gamme parce que par rapport aux processus de transformation qui sont puissantes, vous avez un résultat, c'est certain, mais surtout vous êtes en petit groupe et je m'occupe vraiment de vous. Donc ça c'est aussi, je pense que c'est une opportunité de changer votre vie, là maintenant, de sortir de votre passé et de construire votre vie à vous. Voilà, moi je serais ravie de vous accompagner. C'est vraiment quelque chose, c'est un programme que j'apprécie beaucoup faire. Voilà, je reste à votre disposition si vous avez des questions. Dans tous les cas, reprenez votre pouvoir, mes amis. Vous êtes dignes de recevoir cet amour. Il n'y a pas besoin de le dire. C'est quelque chose qui est établi en vous. C'est une évidence. Je vous souhaite une belle intégration. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous regardez en replay, n'hésitez pas à me mettre un like ou un petit coucou. Je serais vraiment ravie de savoir que vous êtes passé par là. Voilà, belle journée à tous. Je vous embrasse fort.